Mesdames, messieurs, bonsoir. Merci d'être présents ce soir ou cette fin d'après-midi, il est 17h30, pour le spectacle "Mémoire fragile". Euh, je me permets juste de vous apporter deux petites informations. Euh, il y a eu une petite intervention-interversion sur le déroulé de cette séance, puisque nous allons commencer tout d'abord par la lecture d'Emmanuel Noblet, du texte d'un extrait de texte de Boussole par. Le texte de, du livre de Mathias Sénard Et ensuite, nous aurons la conférence de Yves Hubelman. Donc, première information. Et la seconde information, donc, pour ceux qui ont prévu d'aller à la séance au Grand Auditorium NOS à Tipaza, euh, qui débute à 18h30, on va attendre, en tout cas, tous ceux qui auront le, le souhait d'y participer. Donc ne vous inquiétez pas, on vous laissera à votre place et vous pourrez y participer. Donc, Dernier point, nous, nous allons débuter pile à l'heure puisque cette séance est en streaming et donc rediffusée en temps réel sur les réseaux sociaux. Je vous remercie. Et 23h10, je pourrais lui écrire une lettre, tiens, voilà qui m'occuperait. Très chère Sarah, merci pour l'article, mais j'avoue que son contenu m'inquiète. Vas-tu bien Que fais-tu au Sarawak Non, trop anodin. Chère Sarah, il faut que tu saches que je suis mourant. Un peu prématuré. Chère Sarah, tu me manques. Trop direct. Très chère Sarah, est-ce que les douleurs anciennes ne pourraient pas un jour redevenir joie C'est beau ça, les douleurs anciennes. Est-ce que j'avais pompé des poètes dans mes lettres d'Istanbul J'espère qu'elle ne, qu ne les a pas conservées. Un monument à la forfanterie. La vie est une symphonie de malheur, elle ne revient jamais en arrière, ne retombe jamais sur ses pieds. Dans ce sentiment du temps qui est la définition de la mélancolie, la conscience de la finitude, pas de refuge, à part l'opium et l'oubli. La thèse de Sarah peut se lire, j'y pense seulement maintenant, comme un catalogue de mélancoliques. Sadeg et Dayat, Anne-Marie Schwarzenbach, Fernando Pessoa, pour ne citer que ses préférés. Je vais mourir. Je vais mourir. Voilà le message que je devrais envoyer à Sarah. Respirons, respirons, allumons la lumière. Ne nous laissons pas emporter sur cette pente-là. Je vais me débattre. Où sont mes lunettes cette lampe de chevet est vraiment indigente. Il faut absolument que je la change. Combien de soirs l'ai-je allumée puis éteinte en me disant cela? Tiens, les reflets de la lampe soulignent la poussière sur le panorama d'Istanbul depuis la tour de Galata. On ne voit presque plus les bateaux. Il faudrait que je la nettoie. Et surtout, il faut que je remette les mains sur ces foutues lunettes. J'ai acheté cette photo chromie dans une boutique derrière Istiklal KDC beaucoup de la crasse doit provenir d'Istanbul elle-même, saleté d'origine, en compagnie de Bilge, l'archéologue. Aux dernières nouvelles, il est toujours aussi fou et alterne les séjours à l'hôpital avec des périodes d'une exaltation terrifiante où il découvre des tombeaux de tout en dans les jardins publics de Bonn, avant de retomber vaincu par les drogues et la dépression, et on se demande dans laquelle de ces phases il est le plus inquiétant. Dieu sait pourtant si nous étions proches, autrefois, il était promis à un grand avenir et avait même dirigé l'antenne du prestigieux Deutsches Archéologische Institut à Damas. Bilger était dans ce milieu comme un poisson dans l'eau. Il commentait les chantiers, les trouvailles, les plans il appelait les ouvriers par leurs petits noms, Abou Hassan, Abou Mohamed. Ces commandos d'ouvriers syriens, véritables artistes de la pelle, gagnaient une misère. Mais une misère bien supérieure à ce qu'un chantier de construction du cru leur aurait rapporté, sans compter le divertissement de travailler pour ces francs en saharienne et foulard couleur crème. C'était le, le gros avantage des campagnes de fouilles orientales. Là où en Europe ils étaient contraints par leur budget à creuser eux-mêmes, les archéologues en Syrie, à l'image de leurs glorieux prédécesseurs, pouvaient déléguer les basses besognes. Comme disait Bilger, citant le Bon, la Brute et le Truand. Le monde se divise en deux catégories, ceux qui ont un revolver et ceux qui creusent. Les archéologues européens avaient donc acquis un vocabulaire arabe tout à fait particulier et technique. Descendre ici un mètre. Oui, chef. À l'appel de chantier, euh, grosse pelle, grosse pelle, non, petite pioche. À la grosse pioche, grosse pioche, non, petite pioche. Donc on creuse un mètre à la petite pioche. Nam, nam, chouya, chouya, n'allez hein, pas me défoncer toute la muraille pour terminer plus vite, ok dans ces circonstances, il y avait bien évidemment des malentendus qui donnaient lieu à des pertes irréparables pour la science. Nombre de murs et de stylobates sont tombés victimes de l'alliance perverse de la linguistique et du capitalisme. Sarah avait posé la question. Je suis curieuse de savoir ce que, les, ce que représentent ces excavations pour ces ouvriers. Est-ce qu'ils ont la sensation qu'on les dépouille de leur histoire, que l'Européen leur vole, une fois de plus, quelque chose Bilge avait une théorie, il soutenait que pour ces terrassiers, tout ce qui est antérieur à l'islam ne leur appartient pas. L'Europe a sapé l'antiquité sous les Syriens, les Irakiens, les Égyptiens. Nos glorieuses nations se sont appropriées l'universel par leur monopole de la science et de l'archéologie, dépossédant avec ce pillage les populations colonisées d'un passé qui du coup est facilement vécu comme halogène. Les démolisseurs et cervelés islamistes manient d'autant plus facilement la pelleteuse dans les cités antiques qu'ils allient leur profonde bêtise inculte au sentiment plus ou moins diffus que ce patrimoine est une étrange émanation rétroactive de la puissance étrangère. 55. Je préfère être dans mon lit, les yeux dans le noir allongés sur le dos, la nuque contre un oreiller moelleux qu'au désert. Même en compagnie de Félicien David, même en compagnie de Sarah, le désert est un endroit extraordinairement inconfortable. Mais à Palmyre, j'étais un peu chez moi. Le désert retentissait des accents lointains de la musique de la capitale ottomane. La vue sur le site, la palmeraie et les tours funéraires y étaient si époustouflantes que nous avions décidé, avec une bande d'orientalistes en herbe de Damas, d'y camper. Comme des soldats, des colons ou des archéologues de jadis, sans nous en embarrasser ni des règlements ni du confort, la vue y était magique. Au lever et au coucher du soleil, la lumière rasante embrasait tour à tour le temple de Baal, le camp de Dioclétien, l'agora, le tétrapyle, les murs du théâtre. Et on imaginait sans peine l'émerveillement de ces Anglais du XVIIIe siècle qui découvrirent l'oasis et rapportèrent les premières vues de Palmyre, de la fiancée du désert. Ses dessins allaient faire le tour de l'Europe, aussitôt gravés à Londres et diffusés sur tout le continent. Guilger racontait même que ces reproductions étaient à l'origine de nombreuses façades et colonnades néoclassiques dans l'architecture européenne. Nos capitales devaient beaucoup aux chapiteaux palmyriens, un peu du désert de Syrie vivait dans la clandestinité à Londres, à Paris ou à Vienne. J'imagine qu'aujourd'hui les pillards s'en donnent à cœur joie et démontent les bas-reliefs des tombes les inscriptions, les statues, pour les revendre à des amateurs sans scrupules. On, on raconte que les mosaïques sont démontées au marteau-piqueur, que les villes mortes ou les sites de l'Euphrate sont fouillés au bulldozer, et les pièces intéressantes revendues en Turquie ou au Liban. Les vestiges sont une richesse du sous-sol, une ressource naturelle, comme le pétrole. Ils ont de tout temps été exploités. Ce jour-là... Nous avions eu l'étrange idée de dormir dans la citadelle de Fakhreldine pour profiter au coucher du soleil et à son lever de la beauté de la ville. La ville moderne de Palmyre, au nord de l'oasis, était un quadrilatère bien ordonné de maisons basses, en pauvre béton, limitée au nord et au nord-est par un aéroport et une sinistre prison, la plus célèbre de toute la Syrie. Une prison noire et rouge sang, couleur prémonitoire du drapeau que la dynastie Assad s'était acharnée à déployer sur tout le territoire. Dans ces geôles, les tortures les plus atroces étaient quotidiennes, les supplices médiévaux systématiques, une routine sans autre but que l'effroi général, l'épandage de la peur sur tout le pays comme du fumier. Ce qui intéressait surtout Sarah à Palmyre, au-delà de l'éblouissante beauté des ruines et les monstruosités du régime Assad, c'était les traces du séjour d'Anne-Marie Schwarzenbach et son étrange logeuse Marga d'Andurin, patronne de l'hôtel Zenobi au temps du mandat français sur la Syrie. Autour du feu, devant la citadelle de Din, nous avons passé une grande partie de la nuit à raconter des histoires tour à tour. Une vraie séance, une Makama, genre noble de la littérature arabe. Où les personnages se passent la parole pour explorer, chacun à son tour, un sujet de données. Nous avons écrit cette nuit-là la Makama Tadmoria, la séance de Palmyra. Serrés autour du petit barbecue dont la chaleur était aussi illusoire que celle des millions d'étoiles autour de nous, emmitouflés dans les couvertures en laine bleu ciel de Bilger, un verre à la main, nous écoutions Sarah raconter des histoires, expliquer. Les aventures de Lady Stanhope, qui nous avait précédés sur ce rocher, femme au destin exceptionnel dont les motivations étaient aussi mystérieuses que le désert lui-même, qu'est-ce qui poussa Lady Esther Stanhope, riche et puissante nièce d'un des hommes politiques les plus brillants de l'époque, à tout quitter pour s'installer dans le Levant ottoman, où elle n'eut de cesse de gouverner, de régenter le petit domaine qu'elle s'y était taillé dans le chouf entre Druze et Chrétiens comme une ferme du serai? Sarah nous expliquait son refus de porter le voile et son choix de s'habiller, certes, à la Turque, mais en homme. Elle racontait la passion que Lady Esther inspira à Lamartine. À peine arrivée, elle propose à Lamartine de lui révéler son avenir. Celle qu'il appelle la Circée des déserts lui révèle, entre deux pipes parfumées, que l'Orient est sa véritable patrie, la patrie de ses pères, et qu'il y reviendra. Voyez, dit-elle, le coup de pied est très élevé. Il y a entre votre talon et vos doigts, quand votre pied est à terre, un espace suffisant pour que l'eau y passe sans vous mouiller. C'est le pied de l'Arabe, c'est le pied de l'Orient. Vous êtes un fils de ces climats et nous approchons du jour où chacun rentrera dans la terre de ses pères. Nous nous reverrons. C'est bilger qui a repris la parole pour essayer de raconter lui aussi une histoire, une partie des aventures d'Aloïs Musil dit Laurence de Moravie ou Aloïs d'Arabie, orientaliste et espion des Habsbourg. Il fut habilement interrompu par François-Marie, ce spécialiste de l'histoire du mandat français au Levant, s'appuya sur Laurence de Moravie pour ramener diplomatiquement la conversation à Palmyre. La destinée de Marguerite d'Andurin, dite Marga, représentait pour lui l'antithèse de celle de Stanhope ou de Schwarzenbach, leur double noir, leur ombre. Les aventures de la comtesse d'Andurin, Marga, comtesse de Palmyre, première femme européenne à se rendre en pèlerinage à la Mecque avec un mari-passeport, comme elle l'appelle, la Matahari du désert. Une existence entièrement marquée par la violence, une métaphore de la violence coloniale, une parabole. En bas de notre colline, les lumières de la ville s'éteignaient peu à peu, il devait être aux environs de minuit. L'hôtel Zenobi était toujours illuminé. Je me demandais si le personnel actuel de l'établissement se souvenait de cette fausse comtesse véritable assassine et de son mari mort au milieu de ce désert gris acier qui n'était pas du tout dans la nuit froide d'un endroit agréable. Ni même je m'en serais voulu d'avouer cette pensée à mes compagnons parés de l'irrésistible beauté que certains lui prêtaient. L'archéologie était avec la mystique une des formes d'exploration les plus fécondes du Proche et Moyen-Orient. Et Bilger en convenait cette nuit-là à Palmyre, quand, réchauffé par le vin libanais, il daigna participer en anglais cette fois-ci à notre séance. Il se lança dans une histoire compliquée de l'exploration de l'Arabie dont je n'ai pas retenu grand-chose, mis à part les incontournables du désert, Richard Burton, l'homme aux mille vies, et les époux Blunt, qui sillonnèrent les sables à la recherche des plus beaux chevaux dont ils cultivèrent ensuite la lignée dans leur haras du Sussex. Anne Blunt m'était d'ailleurs la plus sympathique de tout ce, de tout ce tas d'explorateurs, car elle était violoniste et ne possédait rien de moins qu'un Stradivarius pour instrument, un Stradivarius au désert. Il y aurait peut-être une, une apostille à rajouter à mon ouvrage, une coda, voire une codicille, des différentes formes de folie en Orient, Addendum, la caravane des travestis. Qui rendrait compte de la passion de mes confrères d'autrefois pour le déguisement et les costumes locaux. Beaucoup de ces explorateurs politiques ou scientifiques se crurent obligés de se travestir autant, que pour le, autant pour le confort que pour passer inaperçu. La vraie question de Bilger à Palmyre était celle du rapport entre archéologie et espionnage. Comment rassurer aujourd'hui les Syriens sur nos activités si nos prédécesseurs les plus fameux ont joué un rôle politique, secret ou public au Moyen-Orient. Il était désespéré par ce constat. Les archéologues célèbres avaient tous, à un moment ou à un autre, trempé dans des affaires d'État. Il fallut le rassurer. Heureusement ou malheureusement, les archéologues n'avaient pas été les seuls à asservir les militaires. À peu près toutes les branches de la science. Linguistes, spécialistes de sciences religieuses, historiens, géographes, littérateurs, ethnologues avaient eu des rapports avec leur gouvernement d'origine en temps de guerre. Bien sûr, tous n'avaient pas nécessairement porté les armes comme T. Lawrence. Il n'était néanmoins pas possible, soutenait Sarah, de condamner tout ce petit monde en bloc. Autant reprocher à la chimie la poudre et la balistique à la physique. Il fallait ramener les choses à l'individu et s'abstenir de fabriquer un discours général qui devenait à son tour une construction idéologique, un objet sans autre portée que sa propre justification. Le débat est devenu houleux. Les voix commençaient à être vaincues par le vin, le froid et la fatigue. Deux couverture dessous, de dessus, voilà notre couche palmyrienne. Sarah s'était roulée en boule contre moi, le dos près de mon ventre. Elle m'avait demandé gentiment si cela ne me dérangeait pas. J'avais essayé de ne pas laisser paraître mon enthousiasme. Non, non, nullement, bien sûr. Et je bénissais la vie nomade. Ses cheveux sentaient l'ambre et le feu de bois et je n'osais bouger, de peur de troubler sa respiration dont le rythme m'envahissait. J'essayais d'inspirer comme elle. Adagio d'abord, puis Largo. J'avais auprès de ma poitrine la longue courbure de son dos, barrée par le soutien-gorge dont je sentais la graffe contre mon bras replié. Elle avait froid aux jambes et les avait un peu entortillées dans les miennes. Le nylon était doux et électrique à la fois contre mes mollets, mes genoux dans le creux des siens. Il ne fallait pas trop que je pense à cette proximité, ce qui bien sûr était impossible. Un désir immense que je réussissais à étouffer me consumait malgré tout en silence. L'intimité de cette position était à la fois chaste et érotique, à l'image de l'Orient lui-même. Et avant d'enfouir pour quelques heures mes paupières dans ses boucles, j'ai jeté un dernier regard au-delà de la laine bleue vers le ciel de Palmyre pour le remercier d'être si inhospitalier. Mes livres sont tous face à moi et me regardent. Horizon calme, mur de prison. J'ai soif. Combien de temps me reste-t-il à vivre Qu'est-ce que j'ai raté pour me retrouver seul dans la nuit, éveillé, le cœur battant, les muscles tremblants, les yeux brûlants Je pourrais me lever, mettre mon casque sur mes oreilles et écouter de la musique, chercher la consolation dans la musique, dans un quatuor de Beethoven, un des derniers par exemple. Quelle heure est-il au Sarawak si j'avais osé embrasser Sarah ce matin-là à Palmyre, au lieu de lâchement me retourner, tout aurait peut-être été différent. Parfois un baiser change une vie entière. Le destin s'infléchit, se courbe, fait un détour. Si ma vie sentimentale, regardant les choses en face, est un tel échec, c'est sans doute parce que j'y ai toujours, consciemment ou non, conservé une place pour Sarah et que cette attente m'a empêché jusqu'ici d'être entier dans une histoire d'amour. Tout est sa faute. Le vent d'un jupon balaye un homme plus sûrement qu'un typhon, c'est bien connu. Si elle n'avait pas soigneusement entretenu l'ambiguïté, si elle avait été claire, nous n'en serions pas là, assis au milieu de la nuit à fixer la bibliothèque. Je devrais me lever pour boire, mais si je quitte mon lit, je ne me recoucherai pas avant l'aube. Il faudrait toujours avoir une bouteille d'eau à portée de main. Une outre de peau, comme au désert. Une outre qui donne au liquide son parfum caractéristique de chèvre et de goudron. Le pétrole et l'animal. Voilà le goût de l'Arabie. Je commence à ressentir que toutes mes randonnées n'ont jamais eu qu'une signification, chercher à saisir le sens de cet appel, de cet Allah Wakbar modulé au sommet de tous les minarets du monde depuis l'âge du prophète. Le sens de cette mélodie unique qui m'avait moi aussi bouleversé quand je l'avais entendue pour la première fois à Istanbul. Ce chant qui avait fasciné Félicien David ou ce Léopold Weiss, mon compatriote, jusqu'à transformer leur vie. Moi aussi, je voulais chercher à saisir le sens de ce cri, le suivre, encore tout empli du souvenir de la mosquée de Souleiman. Il fallait que je parte, il fallait que je découvre ce qu'il y avait derrière ce voile, l'origine de ce chant. On peut dire que ma vie spirituelle a été le même désastre que ma vie sentimentale. Je me retrouve aujourd'hui aussi désemparé qu'autrefois, sans la consolation de la foi. Je ne fais sans doute pas partie des élus. Peut-être manquais-je de la volonté de la sette, ou de l'imagination créatrice du mystique. Peut-être la musique, finalement, était-elle ma seule passion. Le désert s'est révélé, c'est le cas de le dire, un tas de cailloux. Les mosquées sont restées pour moi aussi vides que les églises. Je crois que je suis en train de m'assoupir, que je m'endors doucement, la face caressée par une brise du désert, sous ma couette, sur mon oreiller, qui sont une tente de nomade intérieur. Quelle heure est-il 2h20. Le sommeil est la canne de l'insomniaque. Je devrais m'acheter un, un réveil mosquée, comme ceux de Bilger à Damas, mosquée de Médine ou de Jérusalem, en plastique doré avec une petite boussole incorporée pour la direction de la prière. Voilà la supériorité du musulman sur le chrétien. En Allemagne, on vous impose les évangiles au creux du tiroir de la table de nuit. Dans les hôtels musulmans, on vous colle une petite boussole contre le bois du lit, ou on vous dessine une rose des vents marquant la direction de la Mecque sur le bureau. J'ai même vu des tapis de prière avec une petite boussole intégrée au tissage. Il y aurait beaucoup à écrire sur le tapis volant. Sur ces belles illustrations de princes et de princesses assis en tailleur dans des costumes somptueux au beau milieu d'un ciel de légende rougeoyant à l'Occident. Tapis qui doivent sans doute plus au conte de Wilhelm Hof qu'aux Mille et Une Nuits proprement dites, plus aux costumes et aux décors de la Scheherazade des ballets russes qu'aux textes des auteurs arabes ou persans. Une fois encore, une construction conjointe, un travail complexe du temps où l'imaginaire se superpose à l'imaginaire. Les Turcs et les Persans connaissent des nuits les versions d'Antoine Galland et de Richard Burton et ne les traduisent que rarement de l'arabe. Ce que l'on considère comme purement oriental est en fait bien souvent la reprise d'un élément occidental modifiant lui-même un autre élément oriental antérieur, et ainsi de suite. L'Orient et l'Occident n'apparaissent jamais séparément, ils sont toujours mêlés, présents l'un à l'autre. Finalement, peu importe le rapport avec un soi-disant Orient réel, nous-mêmes, au désert, sous l'attente des Bédouins, pourtant face à la réalité la plus tangible de la vie nomade, nous nous heurtions à nos propres représentations qui parasitaient par leurs attentes la possibilité de l'expérience de cette vie qui n'était pas la nôtre. La pauvreté de ces femmes et de ces hommes nous paraissait emplie de la poésie des anciens. Leur dénuement nous rappelait celui des ermites et des illuminés. Leur superstition nous faisait voyager dans le temps. L'exotisme de leur condition nous empêchait de comprendre leur vision de l'existence. De la même façon que nous voyaient avec notre femme en cheveux, notre 4x4 et notre arabe rudimentaire, comme des idiots originaux, dont ils enviaient peut-être l'argent, voire la voiture. Mais certainement pas le savoir ou l'intelligence, ni même la technique. Seul le colporteur, pensais-je, en, en urinant sous la comète de Halley, en scrutant l'obscurité pour vérifier que le chien ne s'apprêtait pas à me bouffer les choses, seul le colporteur partage réellement la vie de cette tribu, puisqu'il y participe. Huit mois par an, il renonce à tout pour fourguer ses babioles. Nous autres, restons des voyageurs. Nous sommes des espions, nous avons le contact rapide et furtif des espions. Chateaubriand, lorsqu'il invente la littérature de voyage avec itinéraire de Paris à, à Jérusalem en 1811, longtemps avant Stendhal et ses mémoires d'un touriste, à plus ou moins au même moment de l'apparition du voyage en Italie de Goethe, Chateaubriand espionne au profit de l'art. Il n'est certes plus l'explorateur qui espionne pour la science ou pour l'armée, il espionne principalement pour la littérature. L'archéologie est une forme d'espionnage. La botanique, la poésie aussi. Les ethnomusicologues sont les espions de la musique. Les espions sont des voyageurs, les voyageurs sont des espions. Méfie-toi des histoires des voyageurs, dit Saadi dans le Golestan. Ils ne voient rien. Ils croient voir mais n'observe que des reflets. Nous sommes prisonniers des images, des représentations, dirait Sarah, et seuls ceux qui, comme elle ou comme le colporteur, font le choix de se défaire de leur vie, si une telle chose est réellement possible, peuvent parvenir à autrui. Je me rappelle le bruit de mon urine tombant sur les pierres dans le silence enivrant du désert. Je n'avais pas conscience des fourmis et des araignées que je noyais dans l'urée. Nous sommes condamnés, comme dit Montaigne dans son dernier essai, à penser comme on pisse en chemin, vite et furtivement, en espion. Seul l'amour, pensais-je en regagnant la tente, en frémissant de froid et de désir au souvenir de la nuit précédente, nous ouvre vers autrui l'amour comme renoncement, comme fusion. Rien d'étonnant à ce que ces deux absolus, le désert et l'amour, se soient rencontrés pour donner un des monuments les plus importants de la littérature universelle, la folie de Majnoun qui hurla sa passion pour Leila, aux cailloux et aux vipères à cornes. Allongé sur le dos dans le noir, il va m'en falloir de la patience. Respirons calmement. Allongé sur le dos dans le profond silence de minuit, ne pensons pas au seuil de cette chambre de l'hôtel Baron à Alep, à l'escalier monumental, aux vieux tapis usés et aux chambres défraîchies où trônaient encore d'inutiles téléphones en bakélite et des baignoires, à, des baignoires de métal à pâte de lion dont la tuyauterie sonnait comme une mitrailleuse lourde dès qu'on en ouvrait le robinet. Le charme de la décadence, disait Sarah, elle était heureuse d'y retrouver l'ombre d'Anne-Marie Schwarzenbach, sa Suissesse errante, qui y avait promené son spleen pendant l'hiver 1933-34. Sarah était aux anges quand elle découvrit sur une page jaunie et poussiéreuse l'écriture fine et ramassée de la voyageuse, qui avait rempli en français sa fiche d'arrivée. Elle brandissait le registre dans le hall de l'hôtel sous les regards amusés du patron et du personnel habitué à ce que les archives de leur établissement crachent les noms célèbres, comme une locomotive à la fumée. Dieu sait par quelle association j'ai maintenant cette mélodie dans la tête. Même les yeux fermés en essayant de respirer profondément, il faut que le cerveau travaille, que ma boîte à musique intime se mette à jouer au moment le plus important. Est-ce que c'est un signe de folie Je l'ignore. Je n'entends pas de voix, j'entends des orchestres, des luttes, des chants, ils m'encombrent les oreilles et la mémoire se déclenche tout seul comme si, alors qu'une agitation s'éteint, une autre, comprimée sous la première, débordait la conscience. Félicien David, premier grand musicien oriental, peu enregistré et pourtant adulé par les compositeurs en son temps comme ayant brisé quelque chose, comme ayant fait naître... Un grondement neuf, une sonorité nouvelle. Il y a eu Félicien David, Delacroix, Nerval, tous ceux qui visitèrent la façade de l'Orient, d'Algésiras à Istanbul ou son arrière-cour de l'Inde à la Cochinchine. Entre-temps, cet Orient avait révolutionné l'art, les lettres et la musique, surtout la musique. Après Félicien David, rien ne serait comme avant. Cette pensée est peut-être un vœu pieux, tu exagères, dirait Sarah, mais bon Dieu, j'ai démontré tout cela, j'ai écrit tout cela, j'ai montré que la révolution dans la musique au 19e et 20e siècle devait tout à l'Orient, qu'il ne s'agissait pas de procédés exotiques. Comme on le croyait auparavant, que l'exotisme avait un sens, qu'il faisait entrer des éléments extérieurs de l'altérité, qu'il s'agit d'un large mouvement qui rassemble entre autres Mozart, Beethoven, Schubert, Liszt, Berlioz, Bizet, Rimsky, Korsakov, Debussy, Bartok, Indemit, Schoenberg, Szymanowski, des centaines de compositeurs dans toute l'Europe. Sur toute l'Europe souffle le vent de l'altérité. Tous ces grands hommes utilisent ce qui leur vient de l'autre pour modifier le soi, pour la bâtardir. Car le génie veut la bâtardise. L'utilisation de procédés extérieurs pour ébranler la dictature du chant d'église et d'harmonie. Pourquoi est-ce que je m'énerve tout seul contre mon oreiller maintenant Sans doute parce que je suis un pauvre universitaire sans succès avec sa thèse révolutionnaire dont personne ne tire aucune conséquence. Aujourd'hui personne ne s'intéresse plus à Félicien David devenu extraordinairement célèbre le 8 décembre 1844 après la première du Désert au Conservatoire à Paris Ode symphonie en trois parties pour récitant ténor solo cœur d'homme et orchestre composé à partir des souvenirs du voyage en Orient du compositeur entre le Caire et Beyrouth. Dans la salle, il y a Berlioz, Théophile Gautier, et le désert envahit Paris. « De la vie unanime, c'est le plus bel orage que la musique ait rendu, nul maître n'a été plus loin », écrit Théophile Gautier dans la presse, en décrivant la tempête qui assaille la caravane au désert. C'est aussi le premier chant du muezzin, le premier appel à la prière musulmane qui retentisse à Paris. C'est à cette heure matinale la voix du muezzin que nous entendons, écrit Berlioz dans le journal des débats le 15 décembre. Après la prière du muezzin, la caravane reprend sa marche, s'éloigne et disparaît. Le désert reste seul. Bonjour. Alors, euh, je vais tenter de faire euh, écho par mes images et par euh, mon, mes expériences récentes, faire écho à ce, ce texte magnifique de, de Mathias Sénard. Alors, moi, je suis architecte. Euh, je me suis spécialisé dans la préservation de euh, ces, ces mémoires fragiles, euh, c'est-à-dire ces sites archéologiques vulnérables dans les pays en conflit depuis plusieurs années. Ce qui m'a apporté à travailler en Afghanistan, en Syrie, en Irak, en Libye. Et le site archéologique de, de Palmyre, c'est peut-être un des sites sur lequel je me suis personnellement le, le, plus, le plus investi. Alors j'ai eu la chance de, de connaître ce site à l'époque où c'était encore euh, un grand site euh, touristique avant le conflit syrien. Euh, j'ai pu y séjourner euh, un mois parce que je travaillais à l'époque pour le, pour le musée, pour le musée du site, le musée de Palmyre. Et quand on travaillait à l'époque, donc c'était en 2009, euh, pour, pour le musée, on avait un, un, un privilège important, c'est qu'on pouvait loger au pied du temple de Belle. Voici le, 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 le temple de Belle, et euh, voici la vue qu'on avait de, de notre maison, et j'ai pu à l'époque le photographier un petit peu dans tous ses détails. Euh, que ce soit de jour comme de nuit, parce qu'on dormait vraiment à l'intérieur du sanctuaire. Euh, là, on est à l'intérieur de la de la Scylla, hein, On voit effectivement ce, 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 cette fameuse niche où il y avait le, les signes des des, des zodiaques. Et euh, bah, mes journées, je les passais à l'intérieur du musée. Ce musée qui avait une collection euh, assez incroyable en fait de portraits funéraires très singuliers, caractéristiques en fait de cet art euh, pa palmyréen euh, du, du du 1er siècle et euh, bah, j'ai été vraiment passionné par cette, ces sculptures. Je les ai photographiées quasiment euh, une par une. L'expressivité en fait, des visages était euh, assez, euh, euh, assez impressionnante, assez touchante. Alors mon rôle à moi à cette époque, c'était de, de construire une, une, une exposition euh, donc, j'étais en tant qu'architecte euh, chargé d'en faire euh, la scénographie et de suivre euh, le, le, la construction euh, pour présenter une collection euh, d'art euh, hellénistique, de sculpture hellénistique. Hein, on faisait ça avec une, euh, une mission française dirigée par Hélène et, euh, et Christophe. Et euh, on, donc, on travaillait vraiment avec euh, le, 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 très, très, peu, très, très peu de moyens. Hein. Je me souviens même à l'époque, on n'avait même pu. On ne pouvait même pas utiliser de, de, de verre sur toutes les vitrines parce qu'on était obligé de finir avec du plexiglas tellement on avait peu de, peu de, peu de moyens. Et à cette époque, euh, disons, les institutions culturelles syriennes commençaient à se moderniser. On était très, très loin de penser que quelques années plus tard, euh, un drame euh, allait euh, arriver euh, dans ce pays. Et puis, euh, laissant derrière moi ce, ce travail que j'avais fait dans, dans le musée, je suis parti euh, en, en Afghanistan, où là, j'ai été, pour le coup, confronté très brutalement à la disparition du patrimoine, notamment ici sur ce site au sud de Kaboul, qui allait être complètement détruit, hein, dans lequel on avait retrouvé euh, euh, des centaines de sculptures de Bouddha. Et face à cette destruction imminente, euh, bah, j'ai décidé, avec une équipe de scientifiques, euh, de tester des nouvelles méthodologies hein, pour enregistrer euh, le patrimoine historique en utilisant euh, des drones, de la photographie, mais surtout grâce à une équipe d'ingénieurs et de chercheurs euh, de l'école normale supérieure, euh, on, on, on a utilisé un algorithme d'intelligence artificielle qui permettait à partir de ces milliers d'images qu'on produisait de reconstituer des véritables paysages numériques. Donc, ces paysages, en fait, sont constitués de milliards de points qui sont calculés automatiquement par l'ordinateur à partir des photos qu'on va prendre sur le site, et ils nous permettent de créer une espèce de copie euh, numérique très précise d'un environnement complet à l'échelle d'une vallée, d'une montagne, mais également à l'échelle de, 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 de sites archéologiques jusqu'au détail de l'objet. Et ces, ces paysages numériques ils, sont révélés très intéressants pour les archéologues parce qu'ils permettaient de, de conserver souvent des données qui allaient disparaître ou même de continuer à travailler sur des territoires que malheureusement euh, bah, qui devenaient malheureusement euh, plus accessibles comme ici hein, euh, au sud de Kaboul aujourd'hui malheureusement plus personne ne peut aller sur ce site parce qu'il y a eu des attaques de talibans récemment Et, mais on a quand même une communauté scientifique qui continue à étudier ce site à travers euh, ces données numériques. Alors, pendant qu'on travaillait justement en Afghanistan sur ces préservations digitales, euh, bah malheureusement, les conflits ont, ont éclaté euh, en Syrie et en Irak. Et j'étais toujours en contact avec mes collègues syriens. Et un jour, ils m'ont appelé en me disant, voilà, euh, ce qui se passe chez nous, euh, ça devient catastrophique. Et euh, on a vu effectivement ce que tu commençais à faire. Et, bah, malheureusement, on va avoir besoin de, de, de ton aide, on a be besoin de ces méthodes. Alors pour les archéologues syriens à cette époque, c'était un petit peu la, la double peine, parce que non seulement euh, bah, ils voyaient disparaître sous leurs yeux euh, leur patrimoine hein, pendant les combats, euh, mais en plus, euh, ils voyaient aussi euh, toutes les collaborations internationales euh, s'arrêter brutalement, hein, pour des raisons diplomatiques et politiques, qu'on comprend très bien mais dont eux souffraient particulièrement parce qu'ils étaient euh, du coup complètement démunis euh, de moyens. Donc, j'aurais proposé euh, bah, directement de, de, de pouvoir les aider. Enfin, je leur ai dit, si vous pouvez effectivement m'amener sur ces, sur, sur ces terrains, sur ces terrains de guerre, bah, on va utiliser ces méthodes et on va commencer à faire une documentation euh, avec euh, ces, ces nouvelles approches. Alors, euh, tout voyageur est un espion potentiel comme. Comme on l'a appris euh, juste avant. Et donc, ça a pris longtemps. Hein. J'ai huit mois pour avoir un visage. J'ai sans doute euh, eu effectivement un nombre de vérifications incroyables sur ma vie personnelle. Et puis, j'ai réussi finalement à obtenir euh, du, du, euh, du régime syrien un visa pour aller sur place. Euh, quelques, quelques jours avant la fin de la. Bataille de Palmyre, le directeur des antiquités syriennes m'appelle et me dit voilà prépare-toi à venir dans les jours qui viennent parce qu'on va envoyer nous une mission de reconnaissance sur Palmyre euh, pour euh, expertiser euh, les destructions. Du jour au lendemain, je suis allé dans l'avion et je me suis retrouvé dans un petit mini-car euh, avec mes collègues de euh, la direction archéologique syrienne avec qui j'avais bossé sept euh, ans auparavant. Euh, sur cette route euh, déserte entre Homs et Palmyre, qui avant était une, une route euh, extrêmement fréquentée par les, par les autobus de touristes, et qui s'enfonçait dans un désert de plus en plus euh, vide, de plus en plus inquiétant, hein, parce qu'on avait encore effectivement des factions de l'armée de l'État euh, euh, islamique qui se promenaient, en fait. Euh, et euh, plus on arrivait près, de, près du site, de Palmyre, là on voit qu'on est à plus qu'à quelques kilomètres. Plus on voyait, euh, c'est euh, bah, des traces d'artillerie partout sur les routes. Les combats ont, ont, avaient dû être très très violents. Et on était, on, on avait fait cette expédition avec un camion qui ramenait en fait du matériel pour préserver justement les œuvres, faire des préservations d'urgence et pouvoir effectivement les ramener, celles qui étaient transportables en tout cas, pour pouvoir les ramener euh, dans les réserves de Damas et les mettre en sécurité alors, peut-être certains d'entre vous sont allés à palmyre quelques années auparavant. Euh, vous vous rappelez peut-être que le, le premier euh, euh, monument euh, qu'on voit en arrivant sur le site, c'est justement euh, cette citadelle, la citadelle de palmyre, euh, qui domine en fait toute la, toute la vallée. et cette citadelle, donc, de, était devenue un des points stratégiques du site et avait été, euh, du coup, extrêmement bombardée. on voit que toutes les tours, en fait, de la seconde muraille, euh, ont été, euh, enfin, beaucoup de tours ont été pulvérisés. On s'approche, du site. On arrive euh, près du musée. Vous voyez dans le fond de, dans le fond de cette image, en fait, euh, c'est le musée. Euh, on entend euh, des explosions euh, un peu partout. En fait, ça, c'est le déminage. Il y a des troupes, troupes russes, des troupes syriennes qui sont en train de, de désamorcer en fait toutes les mines antipersonnelles euh, que l'État islamique a laissées sur le site. Et euh, on arrive sur le, le rond-point du musée où, auparavant, on avait les, autoroutes, les, les autobus de, de touristes qui, qui, qui stationnaient. Et euh, là, on voit euh, ce dispositif. En fait, c'est une cage qui avait été construite par l'État islamique euh, pour enfermer en fait, le, les prisonniers, et les laisser euh, mourir au soleil. Hein. Donc, on, on avait les dis dispositifs de torture qui avaient remplacé euh, les, les, les dispositifs de, de les aménagements touristiques. On avait encore au sol euh, voilà, les, les, les armures, enfin les armoiries, je ne sais pas comment on peut appeler ça de, de l'État islamique. Et euh, on a décidé d'abord de, de visiter le, le musée. Sur le musée, euh, au musée, je retrouve Ali ici, qui est en train de nous, nous ouvrir euh, la grille. Ali, c'est un des ouvriers avec qui je travaillais euh, sept ans auparavant euh, pour réaliser en fait, cette, cette scénographie. Euh, il avait euh, perdu beaucoup de poids. Il était réfugié euh, près de Homs et avait bien sûr perdu sa maison à Palmyre. Le musée lui-même avait été euh, partiellement détruit, même si le bâtiment était encore debout. Il avait reçu quelques roquettes. Quand on est rentré à l'intérieur, une partie du, du toit avait, avait disparu, s'était effondré. Et surtout, ce qui était terrible à voir pour nous qui avons travaillé, bah, C'était euh, bah, toutes les œuvres qui avaient été euh, saccagées, une par une. Ces portraits funéraires, hein, sur lesquels j'avais euh, travaillé euh, quelques, quelques années auparavant, systématiquement avaient été détruits. Le visage et les mains, tout ce qui représente euh, l'homme, euh, tous défigurés, martelés. Certains. Euh, avait complètement disparu. Et euh, au sol, en fait, on avait euh, ben, ces pièces archéologiques, romaines, euh, pêle-mêle, euh, à moitié détruites, euh, mélangées au, à, au, à des éléments d'architecture, euh, à, à des pneus, à des seaux, tout, euh, tout était mélangé. Alors, euh, notre réflexe, ça a été de dire on ne touche à rien et on va tout... Numériser. On va tout documenter pour essayer de comprendre ce qui s'est passé à l'intérieur de ce musée, pour essayer de comprendre comment euh, cette collection a été détruite. Hein. On a même retrouvé sur le sol des morceaux de visage qui n'avaient pas été euh, broyés, qui avaient simplement été euh, cassés, sans doute par un marteau. Même des mannequins, euh, des mannequins qui, euh, quelques années auparavant, euh, représentaient une scène préhistorique. Euh, dans les environs de Palmyre, euh, avait été euh, brûlé, démembré, comme une scène de torture. On a retrouvé, on a été les, les premiers en fait à repénétrer dans ce musée. On a même retrouvé les, les outils du, du massacre. C'est un marteau qui traînait là, effectivement, qui avait dû servir à, à détruire à, à un détruire bon nombre de, 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 de ces œuvres. Euh, alors bien sûr je me suis posé la question qu'en est-il du travail qu'on avait fait euh, quelques années auparavant alors c'était au premier étage du musée hein, et à cette époque euh, euh, pendant qu'on était en train de construire en fait, ce, cette scénographie il y avait un, un, un endroit près de la fenêtre où je mettais tout le temps mon appareil photo exactement toujours au même, euh, au même endroit pour suivre en fait les, les, les évolutions du, des, des travaux et bien sûr, j'ai retrouvé cet endroit. Alors ça, c'était la salle telle qu'elle était euh, euh, à mon départ, et voilà, ça c'était la salle que quelques années plus tard. Toutes les, les vitrines avaient été explosées, et euh, ironie du sort, d'ailleurs, les, les vitrines euh, qui n'avaient pas pu avoir de, de vitres, qui avaient été construites en plexiglas, finalement, n'ont pas pu être détruites parce que le plexiglas résistait en fait au, 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 au marteau de, de l'État islamique. Et c'est comme ça que Certaines œuvres assez importantes de cette exposition euh, ont été sauvées. Malheureusement, beaucoup de beaucoup de ces sculptures, là, qu'on avait déposées nous dans les vitrines avec beaucoup de, de délicatesse, étaient à terre, euh, en, en morceaux. Alors, pendant plusieurs heures, on a fait des milliers, des milliers d'images à l'intérieur de chacune de ces salles. Et ces images, donc on a pu les traiter comme euh, on le fait avec avec, euh, avec euh, ces, ces algorithmes pour reconstituer en fait le musée en trois dimensions. Et cette image que vous voyez en fait, c'est euh, une vue planimétrique de plusieurs salles du musée où on voit effectivement la, la répartition effectivement des destructions et on peut étudier. Donc c'est un petit peu comme une scène de crime en fait hein, qu'on peut étudier avec beaucoup de, de précision. Euh, pour essayer de comprendre effectivement quelles œuvres ont été bougées, quelles œuvres ont disparu, euh, quelles œuvres ont été cassées. Et c'est un document essentiel euh, aujourd'hui qu'utilise Interpol, par exemple, pour essayer de comprendre euh, à la fois euh, cette, euh, cet épisode, qui est un épisode contemporain, euh, mais le comprendre comme un, un épisode historique, hein, pourquoi on a, on a détruit ce musée, comment on l'a détruit. Mais aussi pour tracer en fait ces, ces œuvres, parce que on connaît la collection du musée de Palmyre euh, avant sa destruction. On sait euh, ce qu'il en reste aujourd'hui dans les réserves de, de, de Damas maintenant. Euh, mais euh, voilà, tous ces éléments euh, éparpillés dans le musée, eh ben, on a pu effectivement les, les quantifier grâce à, grâce à ce travail. Ce, ce, ce travail sert effectivement maintenant à la communauté internationale pour mieux, pour mieux, pour mieux comprendre ce qui s'est passé. Euh, après le musée, on a décidé d'aller sur le site lui-même. Alors on avait euh, un drone. D'ailleurs, on a réussi à négocier avec l'état-major russe hein, qui gérait en fait la région d'ailleurs qui s'était installé à l'hôtel Zenobi, donc le fameux, le fameux hôtel qui est dans le site de, de Palmyre, on a réussi à négocier pouvoir utiliser le drone et on a décidé d'aller monument par monument euh, euh, évaluer en fait les destructions en arrivant à l'entrée du site on était face à ce panneau justement un panneau euh, qui avait été installé par l'état islamique qui nous demandait de ne pas rentrer dans le site le site était interdit on a franchi le panneau et on est arrivé euh, monument par monument. Et le temple de Belle, que quelques années avant on avait dressé euh, avec euh, ses murs euh, de plus d'une quinzaine de, de mètres, ben, aujourd'hui il n'en restait plus que, plus que la porte. Hein. Les murs avaient complètement disparu. Donc, c'était très serré, on avait simplement quelques, quelques minutes pour faire des sur survols, pour prendre ces centaines et ces centaines d'images, ces images qui montraient pour la première fois l'étendue de la, de la catastrophe et des destructions. Alors là, ça c'est une, une, une vue générale du temple de Belle, on voit effectivement sa porte monumentale dans le fond. Toute cette colonnade qu'on voyait sur les photos précédentes, ben, euh, les tambours de colonne étaient euh, comme ça, pêle-mêle euh, sur, euh, sur le sol. Après le temple de Belle, on a décidé d'aller voir le l'arche monumentale. Sur, sur cette arche, euh, c'est sous cette arche que les que les touristes négociaient leur euh, leur promenade en chameau. Hein. Bah, l'arche avait disparu, hein. resté au sol que les que, que certains éléments d'architecture. Et euh, ce travail a pris un petit peu le euh, a, 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 a pris un petit peu le sens d'une enquête. Hein, on essayait d'avancer dans le désert, dans, dans un désert euh, hostile, parce que toute la Palmeraie n'était pas encore sécurisée. On avait encore effectivement des groupes euh, qui, 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 qui se promenaient, qui se cachaient la nuit, qui ressortaient. Et euh, chaque, à chaque nouvelle euh, découverte, à chaque nouvelle destruction, bah, on trouvait également des munitions qui venaient d'être laissées par, par des soldats de, de l'État islamique, mais notre objectif était euh, d'expertiser euh, chacun des grands monuments euh, et chacune des grandes destructions euh, de, de, de Palmyre. Et effectivement, ces tours tombes dont parle le texte de Mathias Sénard, hein, qui ponctue en fait le paysage de Palmyre, ben en fait c'est des tombes collectives qui étaient utilisées par des clans ou par des familles entières à l'époque antique. Euh, bah, ces tours malheureusement avaient été quasiment toutes, toutes détruites comme celle-ci ou, ou, ou là une série de, 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 de cinq tours dont l'intégralité euh, aujourd'hui ne, malheureusement n'existe plus alors à palmyre il y avait des, ce qu'on appelle des tours tombes mais il y avait aussi des tours souterraines euh, des, des tombes euh, hypogées et alors ces tombes étaient beaucoup plus difficiles à, à détecter sur place, hein, parce que le terrain avait beaucoup changé. Euh, et, euh, et même les archéologues qui, qui avaient travaillé sur ce site, les archéologues syriens, n'arrivaient pas à les, à les retrouver. On en a d'abord retrouvé une, euh, juste un trou dans le sol. Hein, ça, ça, son entrée avait été bouchée. En utilisant un appareil photo et une, une canne, on a pu... Euh, euh, faire justement des, des, des photographies. On a vu qu'effectivement, euh, beaucoup de, de bustes funéraires dans cette tombe avaient, avaient disparu aujourd'hui. La tombe la plus belle, la plus importante, c'était la, la tombe des, des Trois Frères, parce que c'était une tombe qui avait été, euh, entier, qui, qui était entièrement peinte de fresques romaines. Et on n'arrivait pas à retrouver cette tombe. Au bout de plusieurs jours, grâce à l'imagerie aérienne, on a pu voir ce détail. Peut-être que vous voyez au centre de l'image, c'est un escalier qui descend. Mais devant cet escalier, on voit effectivement que des contreforts avaient été aménagés. Cet escalier ressemblait effectivement à l'entrée euh, de la tombe des Trois Frères. Alors, on a décidé d'y aller assez vite. Hein. Et en descendant effectivement l'escalier, on a reconnu que c'était l'escalier de la tombe des Trois Frères. Mais on a vu effectivement une véritable forteresse. Ce qui explique effectivement les contreforts qui avaient été faits de, devant. Donc, on a, on a pénétré à l'intérieur et... Alors, ça a été un soulagement déjà, parce qu'on a vu que la tombe n'avait pas été détruite, n'avait pas été explosée. Pourquoi Parce qu'elle avait, avait servi d'abri anti-aérien pour euh, les soldats de, de l'État islamique. Et quand on a pénétré dans cette tombe, bah, il y avait encore toutes les affaires. Hein. Ils, avaient, ils étaient partis pré précipitamment euh, sans, sans leur sac. Alors, on voit effectivement des restes de, de fresques. Malheureusement, euh, beaucoup de, de fresques avaient été badigeonnées en blanc, et notamment toutes les parties figurées. Les différentes salles de la tombe, euh, bah, on a pu y pénétrer. Euh, elles avaient été utilisées soit en dortoir, soit en cantine, ici, soit en, en bureau de commandement comme là, euh, où là encore, effectivement, la peinture avait recouvert euh, les, les éléments figurés de, de, de ces fresques. Il ne restait que les parties géométriques euh, de, de la fresque romaine. Alors, pendant ces quatre jours... Euh, de travail. On n'a pu rester que, que 4 jours. On a fait des dizaines des dizaines de milliers d'images. Et à notre retour euh, à Paris, euh, bah, ces images, on les a traitées sur des gros gros calculateurs qui nous ont permis de donner un petit, ce que vous voyez. Alors ce que vous voyez, c'est pas une vidéo de, de, de drone, hein. c'est vraiment un, un paysage numérique, donc composé de ces milliards de points. Et ce paysage, on peut revoir tous les éléments du paysage, vous avez là au, au fond la, la, la citadelle, vous allez voir bientôt la colonnade. Euh, ce, ce, ce paysage, en fait, c'est un paysage topographique, cartographique, euh, assez exhaustif, qui, qui retranscrit, en fait, tout, toute l'ère archéologique de Palmyre. Et à partir de ces données-là, on a pu étudier, quasiment pierre par pierre, monument par monument, évaluer ces destructions. Euh, évaluer les pillages aussi, parce qu'il y avait des trous très discrets euh, dans la terre, hein, qui, qui, ont, qui, ont, qui ont saccagé certaines parties du site. Euh, et on a pu justement euh, ben, délivrer à la communauté internationale, à l'UNESCO, aux experts en fait, euh, ben, ces, ces données numériques assez précises pour essayer d'avoir une compréhension. Non, pas uniquement à l'échelle d'un monument, d'un édifice, ni à l'échelle du musée, mais à l'échelle globale de cette ère archéologique qui fait plusieurs kilomètres euh, carrés, un état des lieux très précis après quelques jours, quelques jours de, de, de travail sur place. Alors, monument par monument, heureusement, il y avait des monuments qui n'avaient pas été détruits, hein, notamment cette, cette colonnade, euh, le théâtre que vous voyez ici. Euh, le tétrapile aussi qui est, qui est, qui est, qui est derrière, euh, on a pu numériser un à un euh, ces, ces, ces édifices pour en garder au moins une mémoire pour, pour les générations futures. Alors, cette matière, cette matière euh, digitale, euh, euh, on s'en est servi pour faire des expertises un petit peu plus précises. Par exemple, là, ce que vous avez, c'est une, une planimétrie euh, du temple, du temple de Belle. Pierre par pierre. On peut euh, du coup évaluer l'état euh, de destruction de chacune des pierres et voir du coup si plus tard euh, le temple sera euh, facile à reconstruire ou pas. Malheureusement, on a vu que sur le temple de Belle, beaucoup de pierres avaient été pulvérisées par l'explosion et du coup sa reconstruction sera euh, extrêmement euh, difficile. Par contre, une autre approche numérique euh, nous a tout de suite intéressés. Euh, en fouillant dans mes images justement de ce temple-là que j'avais fait euh, en 2009, je me suis aperçu qu'on pouvait utiliser ces images euh, anciennes, hein, euh, les rentrer dans ces algorithmes pour reconstruire euh, bah, le temple tel qu'il était avant. J'ai commencé à demander à mes amis archéologues et aux archives aussi, à chercher dans les archives toutes les images qu'on pouvait avoir, des images photographiques qu'on pouvait avoir du temple de Belle. Et ce qui a été intéressant, c'est qu'assez vite, on a pu réunir assez de documentation visuelle d'avant la destruction pour reconstruire le temple, le monument en trois dimensions. Donc ça, c'était très intéressant parce que du coup, tous ces paysages, effectivement, qui disparaissent, à partir du moment où ils ont, ils ont été documentés euh, de manière assez, euh, assez bonne par la photographie, ben, on est capable euh, de les restituer aujourd'hui. Euh, dans leur euh, dans leur euh, euh, dans leur volume et dans leurs détails ce qui est intéressant aussi avec le, le, les technologies euh, les technologies numériques c'est qu'on peut d'une certaine manière aplatir le temps c'est à dire représenter différents événements différents moments dans un même espace et là vous avez effectivement le temple de belle alors ce que vous voyez en rouge c'est le temple tel qu'il était avant sa destruction Et ce que vous voyez en blanc c'est le, le terrain que nous on a scanné après la destruction, en superposant les deux, on peut voir de manière très précise, en fait, euh, d'où viennent certaines pierres hein, qui sont au sol, donc qui sont tombées, de, de, des pierres d'après la destruction. On arrive à retrouver leur emplacement d'origine sur le temple. Et comme ça, en superposant en fait différentes temporalités dans un même document, euh, bah, on a finalement une compréhension beaucoup plus précise, en fait, des, 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 des dynamiques de, de destruction. On peut même faire une euh, simulation en fait de la destruction et en étudiant les blocs euh, tels qu'ils sont au sol, en étudiant, en utilisant les documentations du, du, du monument, les photographies du monument quand il était encore euh, 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 en place, bah, on peut euh, recomposer la, 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 la dynamique de la destruction elle-même. Alors derrière, il y a tout un travail effectivement de, de de bases de données assez complexes, mais qui permet effectivement maintenant d'avoir une, une vision beaucoup plus précise euh, d'un monument comme, euh, comme un phénomène dynamique, à travers ses restaurations, son histoire jusqu'à sa destruction. Alors là, je vous montre une image du théâtre parce que ce, ce qu'on ne savait pas, c'est qu'après notre tour, euh, quelques mois après notre tour, l'État islamique est revenu sur place et à nouveau a détruit des monuments. Et le théâtre qu'on qu a pu numériser quand il était encore euh, debout, en fait, bah, six mois plus tard, il avait été à nouveau détruit euh, par l'État islamique. Donc là encore, ça montre euh, l'intérêt et la nécessité d'agir le plus vite parce que malheureusement, effectivement, ces sites vulnérables sont très fragiles. Les situations euh, dans ces zones de guerre euh, ont des re retournements constants et malheureusement, euh, bah, on a... Euh, on a beaucoup de beaucoup de destructions qui on surviennent de manière inattendue. Je vais terminer par, euh, je vois qu'il reste deux minutes en fait. Euh, donc là encore, cette matière numérique, elle nous sert, elle nous sert à remettre en contexte, euh, remettre en contexte ces sites aussi pour le grand public. Pour nous. Euh, créer des expositions à partir de... Alors ça, c'est une exposition qu'on a faite à l'Institut du monde arabe il y a un peu plus d'un an. On a voulu remettre à, échelle, euh, à, à, à son échelle architecturale hein, ces, ces, ces paysages qu'on avait scannés dans différents lieux. Alors là, vous avez Palmyre euh, à gauche et Leptis Magna en, en Libye à droite. Et euh, notre idée, c'est effectivement de, de, de créer des promenades émotionnelles et immersives pour le visiteur pour euh, faire avancer en fait la problématique euh, de euh, cette conservation de la mémoire dans la société civile, hein. pour nous parler effectivement de ces, de ces problèmes, ce n'est pas suffisant. il faut créer euh, des, des spectacles, il faut créer des, des émotions pour que les gens réalisent en fait l'importance euh, qu'on a, euh, enfin, l'importance de, de, de la préservation de ce, de ce patrimoine. Depuis, euh, depuis, donc, on a effectivement des, ces, ces expositions, on essaye de faire tourner le site de Palmyre euh, un petit peu partout. Actuellement, il est à, à, à Washington euh, pour, euh, pour que les pouvoirs politiques aussi réagissent euh, et s'intéressent à la question de la culture, effectivement, dans, dans, dans ces contextes de crise. Voilà. Et je vais terminer par effectivement, donc, ça, c'est tout le travail qu'on a fait sur Palmyre, euh, mais qu'on essaie de multiplier dans beaucoup de, beaucoup de pays. Et, euh, et l'exposition Kudelka m'a particulièrement touché parce qu'elle présente des espèces de, de catalogues aussi hein, de, de sites romains tels qu'ils étaient visibles euh, il y a quelques années. Euh, bah, certains d'entre eux, malheureusement, ont beaucoup souffert. D'autres, heureusement, sont encore dans, dans, dans l'état dans lequel on peut voir dans les, dans les images. Mais disons que en fait, la, la démarche, finalement, est, est assez proche hein. utiliser la représentation euh, visuelle et la photographie pour essayer de conserver et surtout de transmettre aux générations futures qui n'auront pas la chance, malheureusement, d'expérimenter, de, 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 de visiter ces sites tels que nous, on a la chance de les voir. Merci. le respect des mesures sanitaires actuelles, nous vous invitons à quitter la salle rang par rang, en commençant par le bas de l'auditorium. La Bibliothèque nationale de France vous remercie de votre présence à cet événement.